Goedemiddag, dames en heren, geachte genodigden, kandidaten en kaderleden. Welkom in de Koninklijke School voor Onderofficieren op de proclamatie ter afsluiting van de sessie 2019-2020 van het departement Militaire Vorming. Gelieve jullie gsm in silent mode te plaatsen of uit te zetten. Mesdames et messieurs, chers invités, candidats et membres du cadre, soyez les bienvenus à l'École royale des sous-officiers à l'occasion de la proclamation de fin de session 2019-2020 du département formation militaire. Veuillez mettre vos GSM en mode silencieux ou éventuellement les éteindre. De eenheidsadjudant van het departement, adjudant-chef Poli, zal nu overgaan tot de inplaatsstelling van het departement militaire vorming. L'adjudant d'unité du département, l'adjudant-chef Poli, va maintenant procéder à la mise en place du département formation militaire. Voor jullie staat links de twee Nederlandstalige compagnies, samengesteld uit een peloton onderrichters en 5 pelotonskandidaten. Aan de rechterzijde de twee Franstalige compagnies, samengesteld uit een peloton onderrichters, die het departement zullen verlaten, 1 pelotonkandidaten van het Luxemburgs leger en 4 pelotonskandidaten. Devant vous se trouvent à votre gauche 2 compagnies néerlandophones, composé d'un peloton instructeur et de 5 pelotons de candidats. À votre droite se trouvent 2 compagnies francophones composées d'un peloton instructeur qui quitteront le département, d'un peloton de candidats luxembourgeois et de 4 pelotons de candidats. De eenheidsadjudant stelt nu het departement voor aan commandant Claire Failly, tweede commandant van het departement militaire vorming. L'adjudant d'unité va maintenant présenter le département au commandant Claire Failly, commandant en second du département formation militaire. De tweede commandant stelt nu het departement voor aan majoor Jozef Toten, commandant van het departement militaire vorming.
commandant van het departement militaire vorming, zal nu overgaan tot het hijsen van de vlag. Dames en heren, mag ik u vragen recht te staan en de nodige eer te bewijzen tijdens het spelen van het nationale hymne. Le commandant du département formation militaire va maintenant procéder au lever des couleurs. Mesdames et messieurs, puis-je vous demander de vous lever et de présenter les honneurs pour l'hymne national. Commandant van het departement militaire vorming zal nu kolonel stafbrevethouder Jan Abts, commandant van de Koninklijke Militaire School, Koninklijke School voor Onderofficieren en voorzitter van deze plechtigheid verwelkomen. Mag ik iedereen vragen recht te staan bij de komst van de kolonel? Le commandant du département formation militaire va maintenant accueillir le colonel breveté d'état-major Jan Abts, commandant de l'école royale des sous-officiers, qui présidera la cérémonie. Puis-je vous demander de vous lever à l'arrivée du colonel? De schoolcommandant van de Koninklijke School voor Onderofficieren richt nu het woord tot u en de kandidaten. Le commandant de l'école royale des sous-officiers va prendre la parole et s'adresser à vous ainsi qu'aux candidats. Dames en heren, genodigden, beste collega's, beste kandidaten. Mesdames et messieurs les invités, chers collègues, chers candidates, chers candidats. Ik heet u van harte welkom en ik dank u voor uw aanwezigheid. Ik wil in het bijzonder onze sponsors bedanken die het opnieuw hebben mogelijk gemaakt om over enkele ogenblikken een aantal verdienstelijke leerlingen in de bloemetjes te zetten. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à la proclamation des élèves du département de formation militaire.
Je souhaite remercier plus en particulier nos amis luxembourgeois et nos sponsors qui ont à nouveau permis la mise en l'honneur de certains étudiants méritants. Ik wil mij eerst tot de kandidaten richten die vandaag hun basisvorming in de KSOO officieel beëindigen. In de afgelopen maanden hebben we het jullie niet makkelijk gemaakt. Het was een periode waarin jullie voortdurend op de proef werden gesteld en waarin veel van jullie uithoudingsvermogen en weerbaarheid werd gevraagd. Dat was noodzakelijk om vakkennis aan te kweken, om zelfvertrouwen te ontwikkelen en om sportieve prestaties te verbeteren. Ik wil jullie feliciteren met de behaalde resultaten en met de getoonde inzet. Niet iedereen die hier aankwam, half september 2019 of begin van dit jaar, is tot hier geraakt. Jullie wel, en dat verdient dus onze bewondering en ons respect. Maar tegelijkertijd wil ik er ook voor waarschuwen dat jullie nog niet gearriveerd zijn. J'aimerais d'abord m'adresser aux candidats qui terminent aujourd'hui officiellement leur formation de base à l'École royale des sous-officiers. Nous ne vous avons pas facilité la tâche ces derniers mois. C'était une période au cours de laquelle vous étiez constamment mis à l'épreuve et où une bonne dose d'endurance et de résilience était nécessaire. Cela était nécessaire pour cultiver ses connaissances professionnelles, pour développer la confiance en soi et pour améliorer ses performances sportives. Je veux vous féliciter pour les résultats obtenus et pour l'engagement démontré. Tous ceux qui sont arrivés ici mi-septembre 2019 ou au début de cette année-ci n'y sont pas parvenus. Vous l'avez fait et cela mérite notre admiration et notre respect. Mais en même temps, je tiens à vous avertir que vous n'êtes pas encore arrivé. Votre séjour dans cette école a évidemment été impacté par la tragédie endurée par notre pays depuis début mars. Votre session restera à jamais dans l'histoire comme la session Corona. Cependant, je suis très heureux que personne n'ait été laissé pour compte, ni vous, ni vos instructeurs. Et je suis fier du fait que l'interruption de l'instruction à l'école, et ce pendant deux mois, n'a pas empêché notre mission de formation. Je voudrais remercier chacun d'entre vous pour les efforts fournis et pour la motivation démontrée. Jullie verblijf in deze school werd natuurlijk getekend door de tragedie die ons land doormaakt sinds begin maart. Jullie sessie zal voor altijd de geschiedenis ingaan als de coronasessie. Het heeft me echter bijzonder verheugd dat niemand bij de pakken is blijven zitten. Nog jullie instructeurs. En ik ben fier op het feit dat de onderbreking van het contactonderricht in de school gedurende twee maanden niet geleid heeft tot het onderbreken van onze vormingsopdracht. Voor de geleverde inspanningen en de getoonde motivatie en weerbaarheid wil ik iedereen dan ook van harte danken. Vanaf eind augustus vangt jullie professionele vorming aan in de diverse competentiecentra. Daar gaan jullie je beroep leren en ook daar zal er moeten gewerkt worden. Napoleon zei ooit dat het uiterst immoreel is een beroep uit te oefenen dat men niet onder de knie heeft. Ik reken dus op jullie om de noodzakelijke kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor het uitoefenen van jullie toekomstige functie binnen Defensie. À partir de fin août, vous débuterez votre formation professionnelle dans les différents centres de compétences. Vous y apprendrez votre métier et là également, il vous faudra travailler. Napoléon a dit un jour qu'il est extrêmement immoral de pratiquer un métier qui n'est pas maîtrisé. Je compte donc sur vous pour acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à votre future fonction au sein de la Défense. Je compte également sur vous pour continuer à perfectionner votre attitude et à promouvoir les valeurs militaires. À la fin de votre formation professionnelle, vous aurez le privilège de guider les soldats que la Défense vous confiera. N'oubliez pas que vous devrez donner, en toutes circonstances,
l'exemple à vos hommes et femmes et soyez toujours un bon exemple. Ik reken ook op jullie om te blijven werken aan jullie houding en aan het uitdragen van de militaire waarden. Op het einde van jullie professionele vorming zullen jullie het voorrecht hebben om leiding te geven aan de soldaten die Defensie jullie zal toevertrouwen. Onthoud dat je in alle omstandigheden het voorbeeld moet geven aan je manschappen. En wees altijd een goed voorbeeld. Ik wens ook de kaderleden en de onderrichters van het departement Militaire Vorming te danken. Ik onderschrijf nu al volledig de woorden van dank die de majoor straks zal uitspreken. Maar ik wil jullie op mijn beurt nu al danken voor jullie ongeëvenaarde inzet en jullie schitterende creativiteit, vooral tijdens de lockdown. Ik zal nooit de foto's van de zandbak vergeten, gemaakt ergens in een achtertuin in België. Dames en heren, onderrichters, jullie werk is van fundamenteel belang voor de toekomst van Defensie. Ook voor jullie waren de afgelopen maanden slopend. En ik ben ervan overtuigd dat jullie allen, op uw eigen manier, een onvergetelijke indruk hebben gemaakt op de mannen en vrouwen die nu hun vorming elders gaan voortzetten. Dank u voor het job. Very well done. Je souhaite également remercier les membres du cadre et les instructeurs du département. Je souscris entièrement aux paroles de remerciement que le major prononcera tantôt. Mais j'aimerais bien vous remercier déjà dès maintenant pour votre engagement inégalé et votre créativité magnifique, surtout pendant le confinement. Je n'oublierai jamais les photos du bac à sable réalisées dans un jardin quelque part en Belgique. Mesdames et messieurs les instructeurs, votre travail est d'une importance fondamentale pour l'avenir de la défense. Pour vous aussi, les mois écoulés ont été épuisants et je suis convaincu que vous avez tous, à votre manière, laissé une impression inoubliable à toutes ces femmes et tous ces hommes qui vont maintenant poursuivre leur formation ailleurs. Merci pour le travail extrêmement bien fait. Dames en heren, ik dank u voor uw aandacht. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. We gaan nu over tot het bekendmaken van de resultaten en het toekennen van de prijzen. De kandidaten die in aanmerking komen voor de prijzen wordt gevraagd naar voren te komen. Nous allons maintenant procéder à la proclamation des résultats et à la remise des prix. Les candidats concernés vont être appelés à prendre place. De prijs van de eerste van de sessie, kandidaat onderofficieren, aangaande het gedeelte militaire vorming, zal geschonken worden aan de sergeant Cedric Schelfhout van de Nederlandstalige Compagnie. Sergeant Schelfhout is op 17 september 2019 in dienst getreden en heeft op diezelfde datum zijn opleiding als kandidaat onderofficier te Safraanberg aangevat. Deze prijs wordt gesponsord door de Stichting Geheim Leger en BMS. En overhandigd door luitenant-kolonel stafprofethouder Didier Aris.
Le prix de premier de session des candidats sous-officiers pour la partie formation militaire sera remis au sergent Anaïs Saint-Huile de la compagnie francophone. Le sergent Saint-Huile a rejoint la Défense et a débuté sa formation comme candidat sous-officier à Saffrenberg le 16 septembre 2019. Ce prix est sponsorisé par la Fondation QAM Leger et le comité BMS, Burgerlijke Militaire Samenwerking. Le prix est remis par le colonel en retraite, Benny Kroes. Le prix du meilleur candidat sous-officier luxembourgeois pour la partie formation militaire sera remis au sergent Fergus Hambleton de la compagnie francophone. Le sergent Hambleton a rejoint l'armée luxembourgeoise le 8 janvier 2018 comme soldat et a débuté sa formation de base à Diekirch. Il a débuté sa formation comme candidat sous-officier de carrière à Saffrenberg le 6 janvier 2020. Ce prix est sponsorisé par le comité BMS, Burgerlijke Militaire Samenwerking. Le prix est remis par le lieutenant-colonel Michel Huseldinger, représentant du centre militaire de Diekirch. De prijs van de eerste van de sessie kandidaat onderofficieren sociale promotie aangaande het gedeelte militaire vorming zal geschonken worden aan sergeant Maurits van de Nederlandstalige compagnie. Sergeant Maurits is in dienst getreden bij Defensie op datum van 6 december 2010 als kandidaat vrijwilliger. Hij is zijn opleiding als kandidaat onderofficier sociale promotie begonnen te Saffrenberg op 6 januari 2020. Deze prijs wordt gesponsord door Kiwanis Sint-Ruiden en wordt overhandigd door de heer Karel Sweldens, pastvoorzitter Service Club Kiwanis Sint-Ruiden, Haspengouw. Le prix de premier de session des candidats sous-officiers promotion sociale pour la partie formation militaire sera remis au sergent Thomas de la compagnie francophone. Le sergent Thomas a rejoint la Défense en date du 9 janvier 2012 comme volontaire de carrière. Il a débuté sa formation comme candidat sous-officier promotion sociale à Saffrenberg le 6 janvier 2020. Ce prix est sponsorisé par le BMS, Burgerlijke Militaire Samenwerking. Il est remis par le colonel en retraite, Benny Kroes. De prijs onderling steunfonds luitenant-generaal Georges Bernard wordt geschonken aan de kandidaat die zich in de loop van zijn studies aan de Koninklijke School voor Onderofficieren onderscheiden heeft door zijn morele, menselijke en intellectuele eigenschappen. Voor het schooljaar 2019-2020 wordt deze prijs geschonken aan sergeant Cedric Schelfhout van de Nederlandstalige Compagnie. Sergeant Schelfhout is op 17 september 2019 in dienst getreden en heeft op diezelfde datum zijn opleiding als kandidaat onderofficier te Saffrenberg aangevat. Deze prijs wordt gesponsord door het onderling steunfonds luitenant-generaal Georges Bernaerts en wordt overhandigd door de heer Wally Struis, gewoon hoogleraar emeritus aan de KMS en voorzitter steunfonds Georges Bernaerts. Le prix Fonds d'entraide lieutenant-général Georges Bernaerts
sera remis au candidat qui s'est distingué par ses qualités morales, humaines et intellectuelles au cours de ses études à l'École royale des sous-officiers. Pour l'année scolaire 2019-2020, le prix est remis au sergent Lena Skurman de la compagnie francophone et est remis par M. Wally Struys, professeur émérite à l'École royale militaire et président du fonds d'entraide Georges Bernhardt. De commandant van het departement Militaire Vorming richt nu het woord tot u en de kandidaten. Le commandant du département Formation Militaire va maintenant prendre la parole et s'adresser à vous ainsi qu'aux candidats. Kolonel, beste genodigden, beste collega's. In naam van het kader en de kandidaten van het departement Militaire Vorming, hier voor u opgesteld, hou ik eraan u allen in uw respectievelijke graden en hoedanigheden te bedanken voor uw aanwezigheid. Mon colonel, cher invité, cher collègue, au nom de l'ensemble du cadre du département Formation Militaire et des candidats présents aujourd'hui devant vous, je tiens également à vous remercier tous, en vos grades et qualités respectives, pour votre présence. Voor u staan een 300-tal Belgische en Luxemburgse kandidaten die ons vandaag verlaten en een nieuwe fase in hun vorming, in hun respectievelijke vormingscentra zullen aanvatten. We profiteren er ook van om de kaderleden die het departement Militaire Vorming zeer binnenkort zullen verlaten, de eer te bewijzen die hen toekomt. Devant vous se tiennent 300 candidats belges et luxembourgeois qui aujourd'hui se préparent à nous quitter pour entamer une nouvelle phase d'instruction dans leurs centres de compétences respectifs. Nous profitons aussi de l'occasion pour mettre à l'honneur les cadres du département formation militaire qui, à l'issue de leur période, en tant qu'instructeurs, rejoindront leurs nouvelles unités. U stelt het vast dat deze plechtigheid aangepast werd aan actuele sanitaire maatregelen. Dit doet echter geen afbreuk aan het belang ervan voor de kandidaten en de kaderleden van het departement Militaire Vorming. Een belang onderlijnd door uw aanwezigheid. Vous le constatez, cette cérémonie a été adaptée aux exigences sanitaires du moment. Cela ne l'enlève toutefois en rien en son importance pour les candidats et les cadres du département. Une importance que votre présence souligne. Sta mij toe om het woord te richten tot mijn instructeurs.
Beste instructeurs, jullie hebben de voorbije maanden in de meest moeilijke omstandigheden jullie instructieopdracht verder gezet. Jullie hebben een bijzonder grote creativiteit aan de dag gelegd door gedurende bijna 3 maanden afstandsonderwijs te organiseren, jullie competenties met de kandidaten te delen en aan kennisoverdracht te doen. De resultaten waren vaak onovertroffen en ronduit verbluffend. Jullie mogen terecht fier zijn op het werk dat jullie hebben vervuld in de nog korte periode die ons restte tot vandaag. En bovendien, in moeilijke omstandigheden, die de sanitaire maatregelen hier in Saframberg en gedurende de kampperiode te Elsenborn ons oplegden. Ik ben dan ook bijzonder tevreden over de wijze waarop jullie ook dit jaar gediend hebben. Cher instructeur, vous avez ces derniers mois exercé votre mission d'instruction dans les circonstances les plus difficiles. Vous avez démontré une créativité journalière extraordinaire afin d'assurer un enseignement à distance, afin de partager vos compétences avec les candidats. Et ce durant presque 3 mois. Le résultat en fut très souvent au-delà de nos espérances. Vous pouvez légitimement être fier du travail que vous avez fait, fourni dans la trop courte période qui nous restait jusqu'aujourd'hui, et de plus, exécuté dans des conditions difficiles imposées par les mesures sanitaires, ici à Saframberg, comme en camp à Elsenborn. Je suis donc particulièrement satisfaite de la manière dont vous avez servi cette année. Aan de instructeurs die ons verlaten, wil ik uit naam van de collega's, de kandidaten en mezelf zeggen, dank u wel voor uw persoonlijke inspanningen en opofferingen die jullie hebben gemaakt. Veel te vaak vergeten we immers dat 11 van jullie zich gedurende meerdere jaren volop heeft ingezet ten bate van de vorming van de kandidaten. Vaak ten koste van uw beschikbaarheid voor uw gezin, familie en vrienden. Ik dank u van harte en wens elk van u bijzonder veel succes in zijn nieuwe eenheid en verdere carrière. Aux instructeurs qui nous quittent, je désire au nom des candidats, de vos collègues et de moi-même vous dire merci pour vos efforts personnels et votre dévouement que vous avez démontré. Bien trop souvent, nous oublions que chacun d'entre vous a durant toutes ces années donné le meilleur de lui-même au profit de la formation des candidats, souvent au détriment de sa propre disponibilité pour sa famille, ses amis. Je vous remercie sincèrement et souhaite à chacun d'entre vous beaucoup de succès dans sa nouvelle unité et dans sa carrière future. Ten slotte wens ik ook het woord te richten tot de kandidaten. Beste kandidaten, ik hou eraan om een laatste woord tot jullie te richten voor jullie vertrek. Jullie hebben een militaire basisvorming beëindigd om binnenkort je GPO in jullie respectievelijke scholen en eenheden te starten. En daarvoor feliciteer ik jullie. Gedurende de ganse vorming hebben we gehamerd op het savoir-être als onderofficier en werden jullie de waarden en normen van defensie ingeprent. Niettemin stel ik tot mijn teleurstelling vast dat voor sommigen onder jullie discipline en inzet een heikel punt blijven. Begrijp dat jullie de finish nog niet bereikt hebben. Het einde van de militaire basisvorming is alleen maar het begin van een veeleisende professionele vorming die u onvoorwaardelijk toewijding en discipline vereist. Cher candidat, je tiens également à vous donner un dernier conseil avant votre départ. Vous avez terminé votre FMB pour entamer votre FPS dans vos écoles et unités respectives. Pour cela, je vous félicite. Pendant toute la formation, on a insisté sur les normes et les valeurs de la défense et le savoir-être en tant que sous-officier. Néanmoins, et à ma déception, je constate que pour certains entre vous, la discipline et l'engagement restent une faiblesse. Comprenez que vous n'êtes pas encore arrivé au finish.
La fin du FMMB est seulement le début d'une formation professionnelle exigeante qui demande votre dévouement inconditionnel. Kandidaten, wees gedisciplineerd en verlijzend voor uzelf. Let op uw tenue, uw houding en gedraag u voorbeeldig. Binnenkort zijn jullie chef en herinner jullie, uw succes is uw verantwoordelijkheid. Ik wens jullie het beste voor het vervolg van uw opleiding. Candidat, soyez discipliné et exigeant pour vous-même. Soignez votre tenue, votre attitude et votre comportement. Parce que dans un futur proche, vous serez vous-même chef. Et rappelez-vous, votre succès, c'est votre responsabilité. Je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre formation. Merci. Dames en heren, mag ik u vragen recht te staan voor de nationale hymnes van het Groothertogdom Luxemburg en België, ten einde de zeer goede samenwerking tussen België en het Groothertogdom Luxemburg te onderstrepen. Mesdames et messieurs, puis-je vous inviter à vous lever pour les hymnes nationaux du Grand-Duché du Luxembourg et de la Belgique? Ceci afin de remercier la très bonne collaboration entre la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg. De commandant van het departement militaire vorming zal nu het bevel overgeven aan de tweede commandant.
Hiermee beëindigen we het officiële deel van de proclamatie 2019-2020. De commandant van de Koninklijke School voor Onderofficieren heeft de eer de gasten uit te nodigen voor de receptie die plaatsvindt in de club Sneeuwwel. Geachte genodigden en kandidaten, ik dank u voor uw aandacht. Le commandant du département formation militaire va maintenant remettre le commandement au commandant en second. Ainsi se termine la partie officielle de la proclamation 2019-2020. Le commandant de l'IRSO a le plaisir de convier les invités à la réception qui aura lieu au club Sneeuwwel. Chers invités, chers candidats, je vous remercie pour votre attention.